Attendez, attendez, je vais refaire encore un petit peu de piano. J'ai fait signe, hein, pourtant, mais bon, je sais pas si... Oh, puis non. C'est ça, être vedette. Excusez, hein, d'accord? Pardon, hein. Surtout le costaud, là. Hein, c'est celui qui a plus de cheveux. Pardon, pardon. Est-ce que c'est con? Je sortirai avec vous. J'aimerais savoir, maintenant, si tout comme moi, vous faites partie des traumatisés de Kawai. Ou si votre mère, elle vous a forcé à porter un Kawai quand vous étiez petit. L'horrible Kawai en matière chiffonnée, rouge, orange, bleu, vert, marron, jaune, blair. Blair, c'est une couleur entre bleu et vert. C'est Twingo qui l'a inventé. L'horrible Kawai en matière chiffonnée avec la capuche, rien que le nom, capuche. La capuche du Kawai que quand tu la mets, que même si t'as bac plus 10, t'as l'air d'un bonnet, tu sais. Mais qui c'est qui l'a inventé, ce Kawai? Faut l'enfermer, ce type-là! Je le connais pas, l'inventeur du Kawai, mais ce que je sais, c'est qu'il avait pas de cou, hein. L'inventeur du Kawai, il avait pas de cou. Il avait la tête direct les épaules. Il était comme ça. Ah bah ouais, parce que quand tu tournes la tête en Kawai, la tête, elle tourne et pas la capuche. Il pleut. Tu mets ton Kawai comme ça, tu mets la capuche et tout. Hein, t'es bien, puis d'un seul coup, on t'appelle à gauche. Hé, hey, Dani? Ouais, quoi? Non, c'était tout noir! Et je pouvais plus respirer! Ça va, Dani? Hein? M'appelle plus! Ne m'appelle plus! Ou mets-toi devant! On peut pas tourner la tête en Kawai, je vous dis, l'inventeur, il avait pas de cou, je le vois! L'inventeur du Kawai, la première fois qu'il a dû essayer le premier prototype, tu sais, celui qui allait faire des millions de traumatisés à travers le monde! Le tout premier Kawai! Il l'essaye comme ça, il met les morceaux de Kawai, il met la capuche comme ça, puis il fait: c'est bon, les gars, hein? Hein? On peut fabriquer, hein? Y a pas de problème majeur, hein? Et toute sa famille, ouais, c'est bon, on peut y aller, c'est bon. Il l'a jamais mis, il a fait fabriquer sans le mettre, sans l'essayer avant de le faire fabriquer. Parce que le Kawai, on peut pas le mettre, ça se passe par la tête. Y'a que par là que tu peux le mettre, c'est une galère! Tu sais, tu déplies ton Kawai, tu le passes par la tête, comme ça, hop, il s'arrête là, le Kawai, tu sais. T'es dans le noir. Et dans le noir, tu dois trouver les trous des bras en haut, comme ça. Et en même temps, faudrait tirer pour le descendre jusqu'à la taille, mais tu peux pas, t'as les bras en haut qui cherchent les trous! Quand j'étais petit, j'ai tellement vu de gens coincés dans leur Kawai, c'était sûr que c'est comme ça que ça se portait. Le bruit, là, c'est la matière plastique qui rentre dans ta bouche quand tu essaies de respirer. Au bout d'un moment, le cerveau a plus d'oxygène. Tu sais même plus que t'es en train de mettre ta Kawai. Tu régresses. Et quand on te retrouve, t'es à moitié mort! C'est très dangereux, en fait, faut être deux pour mettre la Kawai. Minimum deux, toi et un pompier. Tu passes le Kawai comme ça, tu commences à étouffer. Il faut que le pompier tire un grand coup pour te libérer par derrière. Ça, rah! Ah, merci. Ah, enlève-le, j'ai trop chaud, enlève-le. Ouais, parce que t'as chaud à mort dans un Kawai, tu sues à mort. C'est le principe du Kawai. C'est imperméable, mais à l'intérieur, t'es tout trempé. Ah, il en a fait des générations entières de traumatisés du Kawai, l'inventeur du Kawai. On a tous eu un premier rendez-vous amoureux. Quelques gouttes de pluie. Maman qui dit: mais mets ton Kawai. C'est bon, maman, il pleut pas. C'est bon, c'est bon. Eh ben, prends-le, au cas où il pleut. Et tu te retrouves à ton rendez-vous amoureux avec une grosse boule, là, comme ça. Qui ballotte. Et deux élastiques multicolores. Va faire une conquête amoureuse avec deux élastiques multicolores et une grosse boule, là, comme ça. Mais... Salut, ça va? Non, n'aie pas peur, c'est mon Kawai, la grosse boule, c'est mon Kawai. C'est mon Kawai, n'aie pas peur. Reviens, je vais te montrer. Reviens, je vais te montrer, reviens! C'est mon Kawai! Je me rappelle quand on était petits, les benets, les babaches, comme on dit dans le Nord, ils la mettaient devant, la grosse boule. Et nous, pour avoir la classe, on la mettait dans le dos. En fait, on était babaches, mais dodo. C'est justement dans cette boule, d'ailleurs, c'est dans cette boule que se crée la matière si spécifique au Kawai. Le chiffonné du Kawai. Parce que pour des raisons pratiques, le Kawai se range dans sa propre poche de devant, retourné tout assez à mort dedans. C'est génial, comme rangement, c'est un coup de génie. D'ailleurs, moi, depuis, dans mon dressing, tous mes costumes sont rangés dans leur poche. Hein.
Quand je pars en voyage, c'est qu'un sac de boules de costume. Hein. Un jour, j'en ai eu marre, j'en pouvais plus. Adolescent, j'ai voulu avoir la grande classe en Kawé. À 16 ans, je l'ai repassé. Ça se repasse pas en Kawé. Ça fond. Et c'est un fer à repasser par Kawé repassé. J'étais comme ça. Oh, génial, il est plus chiffonné, je vais avoir la classe, génial. Génial. Oh, il est grand, mon Kawé, dis donc. Mais c'est quelle taille, ça? Ça faisait des fils comme ça. J'avais bousillé la table, le fer, le Kawé, tout. Ma mère, elle était tellement énervée que pour me punir, elle m'a forcé à le porter comme ça. Je me suis retrouvé avec deux élastiques comme ça, et un multicolore et un gros chewing-gum dur. Comme ça. Et ça traînait par terre avec la fermeture éclair qui faisait des étincelles derrière. Comme ça. Ouais, bah tu rigoles, mais je suis resté 2 ans tout seul. Hey, parlons-en de la fermeture éclair, je vois pas pourquoi il y a éclair dans le nom. C'est pas du tout éclair comme fermeture. Parce que quand il pleut plus, tu ranges ton Kawé dans sa poche. Normalement, faut attendre 2-3 heures qu'il sèche, sinon ça moisit dedans, mais c'est un détail. Donc tu le ranges comme ça, c'est tellement comprimé que la fermeture éclair, elle tremble toute seule. Elle tremble toute seule tellement c'est assez dedans, elle est comme ça, t'es... Et toi, faudrait que t'amènes le petit bitonio Kawé du haut jusqu'en bas, mais t'es papa. T'es là, t'es... Ah, tu galères. Ah, t'en arrives à espérer qu'il repleuve pour le remettre, ton Kawé, tellement t'en chie. Allez, ferme-toi. Tu viens, Danny? Attends, je ferme mon Kawé. Faut le fermer, hein. Surtout ne jamais le mettre autour de la taille avec la fermeture éclair ouverte. Hein. Sinon, au bout d'un moment, il y a la manche qui sort toute seule, comme ça. Alors là, pour fonder une famille, tu changes de pays, hein. Donc là, tu détruis les doigts, tout rouge avec marqué « Weka ». Incrusté dans la peau, je l'ai encore, tiens, « Weka ». Et quand par miracle, t'arrives enfin à fermer ton Kawé, « Ouais ». T'es pas pu jamais l'ouvrir. Parce qu'à tous les coups, t'as coincé le dos du Kawé dans la fermeture éclair. Alors là, tu peux le jeter, ton Weka, ou l'ouvrir par le dessous à l'aide d'un nouveau fer à repasser. Ça s'ouvre comme ça, avec un côté pincé, l'autre côté fondu, le tout chiffonné. La très grande classe, hein. Enfin, on rigole, mais... Le Kawé peut s'avérer très dangereux. Ouais. Je sais qu'on s'est tous retrouvés un jour en Kawé sous la pluie, à vélo. À vélo en Kawé. Ah, tu pédales comme un dératé pour vite rentrer chez toi. Ah, parce que ton Kawé s'arrête là. Ah, t'as tout le bas qui est trempé. T'as tout le bas trempé froid, tout le haut trempé chaud. Ah, t'es presque dans ta rue. Tu mets ton bras pour tourner dans ta rue, tu tournes la tête pour voir s'il n'y a pas de voiture. Oh, tu peux pas tourner la tête alors que t'as fait un tour de pâté de maison. Tu dis, mais comment je vais faire pour tourner dans ma rue, voir s'il n'y a pas de voiture, Tu peux pas. Alors, il y a deux solutions. Soit tu tournes tout, la tête, le Kawé, la capuche, le vélo, tout. Et s'il y a une voiture, hop, tu reviens fils, hein. Et tu refais les tours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de voiture, mais c'est un peu dangereux comme technique. Il y en a beaucoup qui ne sont pas rentrés chez eux tout de suite. Sinon, il y a une autre technique que je préconise, c'est qu'avant de monter sur ton vélo, tu serres les cordons de ta capuche, mais à mort. Il y a la capuche qui se ferme comme ça. Alors là, regardez bien ces techniques. Quand tu tournes la tête, le nez chauffe le bord de la capuche. Et grâce au nez, la capuche, elle tourne. Mais attention, ne vous réjouissez pas trop vite. Parce qu'il faut pas que le nez saute le cran. Parce que là, tu te retrouves dans le noir en train d'étouffer. T'essaies de choper le cordon comme un parachutiste qui sent que le sol va pas tarder. T'entends juste les voitures qui freinent pour essayer de t'éviter. T'espères juste pas croiser Bibi en Mercedes. Et quand par miracle, t'arrives à arrêter ton vélo et à sortir de ta capuche. C'est toujours là que tu tombes sur la personne dont t'es fou amoureux. Ah, t'étais là? Non, bah, je fais une petite promenade en Kawé. Ça va, toi? Tu veux pas m'aider? J'arrive pas à ouvrir ma capuche. Je trouve plus le nœud du cordon, je crois qu'il est dans ma bouche. Attends, n'ai pas peur! Reviens, je t'aime! Je t'aime!